On est avec Nicolas Catherine qui va présenter Quentin de l'Éclair au départ du quintet de samedi. Un Quentin de l'Éclair qui vient de bien se comporter sur les programmes d'Agen, même s'il a dû se contenter d'une petite place seulement. Oui, il est quatrième la dernière fois, mais le cheval courait bien. Il y rendait 25 mètres, chose qui n'était pas évidente à faire. Il y a un bon cheval de tête qui a fait pas mal de trains. Et puis après, bah voilà, on ne peut pas venir en dehors au kilomètre, étant donné que c'est des petits tracés. Donc il a fallu attendre, on s'est retrouvé en 12e position dans l'année tournant, il a vraiment fait une belle ligne droite, il a pris une bonne 4e place. Depuis, comment est-il? Écoutez, il est resté en condition normale, hein. il a retravaillé normalement, voilà. il me paraît être resté dans le même état de forme qu'il était il y a 15 jours. Bon, c'est un retour à main gauche, un retour à Vincennes également, il a peut-être pas l'engagement en province, ou ça s'est fait comme ça, celui-ci est plutôt favorable? Le truc c'est que c'était cet engagement-là de samedi tout le long de même poteau, ou alors il fallait que j'aille dimanche à Beaumont-de-Lomagne, encore en rendant 25 mètres dans les mêmes conditions que l'autre fois, avec Cap de Narmont en tête, et à mon avis imbattable en tête, et 2-3 choix à 25 mètres qui gagnent aussi, hein. Donc c'était pas évident, à Vincennes le prix est plus intéressant. Être quatrième à Beaumont-de-Lomagne, je préfère être quatrième à Vincennes, sinon quatrième à Vincennes, le prix est plus intéressant. Ce qui paraît capable de faire, voilà. D'ailleurs, s'il fournit sa meilleure valeur et qu'il peut être préservé. Oui, je pense que le cheval, il devrait bien se défendre. Après, voilà, il y a quand même des chevaux qui gagnent dans cette course-là. Looking superbe, tous ces chevaux-là, c'est des bons chevaux, mais voilà, bon, après, il suit un bon parcours, je pense qu'il peut bien se comporter, ouais. Ouais, parce qu'il a repris la niaque, on dirait. Quentin de l'Éclair a trouvé vraiment au moins une très bonne partie de son grand niveau. Ouais, tout à fait, ouais. Ça fait plusieurs fois que. L'autre fois, à Amiens, c'était très bien dans le GNT, à 25 mètres, pareil, compliqué. Il marchait 13,5, je crois, un truc comme ça. 13, il a refait la même chose à Agen, il a marché 13,5,6. Le cheval, il me paraît vraiment revenir à bon niveau.